Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du calendrier de l'Avent. Et avant que ça commence, avant qu'on se lance sur cette vidéo qui va se faire sur Lego Le Hobbit, en fait je vais vous expliquer, cette année pour le calendrier de l'Avent, je vais faire un jeu par jour, et je verrai vos retours, et peut-être que parmi ces jeux, il y a un ou deux ou trois ou quatre, bref, en fonction de ce qui vous aura plu. De ces jeux qui viendront peut-être démarrer une future nouvelle série. On s'en fout, on peut aller là. Oui. Parce que j'avais en fait cet épisode j'ai déjà tourné mais au final il n'y a pas eu de son de ma voix. Et du coup bah voilà. Donc je connais déjà la partie et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le début du jeu, la première mission. Il y a des jeux, il n'y a pas de mission donc on fait le début. Il y a des jeux, il y a des missions, on fait la première mission mais qui est courte donc on fait la mission qui suit. Bref, il y a tout plein de choses. Non, c'est pas ça. C'était quoi l'attaque? La splendeur de cette ville fortifiée, bâtie au sein même de la montagne, était légendaire. Ah oui, c'était ça. Mais vu qu'il faut... récolter un maximum de pièces, hein, on va pas. Bah oui, parce que le but en fait c'est de remplir la barre et d'arriver au maximum. Donc hop, on va se faire plaisir. Là on voit derrière, c'est une chose qu'on pourra pas ouvrir en fait. Tous les niveaux ne sont pas faisables, enfin tout n'est pas faisable dans un niveau. Ça il faut attendre d'avoir le personnage qui puisse le faire et de refaire le jeu en aventure libre, comme tous les jeux Lego en fait. Voilà. Et donc là, on a 10 000 pièces, presque. Hop. Ensuite, on fait H. On en fait K. Et ensuite, on doit changer de personnage. Non, c'est pas lui, hein. Comment on fait encore? H. Maintenez U en fonche... oh, ok, c'est ça. Donc c'est... ok.
J. Ok, non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, enfin. Voilà. Hop. Le jeu est sympa. La voix, bah c'est la voix, il me semble que c'est la voix qu'il y a dans le film, hein. C'est la voix de Bilbon dans les films, qui est très sympa. C'est très bien d'avoir pris des bons comédiens de doublage. J'allais dire doubleur, mais... Faut pas dire doubleur. C'est pas respectueux, on dit comédien de doublage, parce que c'est des comédiens. Et j'en ai appris des choses, hein. Hop. Route. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu, tu vas pas bloquer maintenant. C'est pas sérieux, ça. Oula. On a quelques petits bugs. C'est bon. Ma voix enregistre toujours, normalement. Si vous voyez cette vidéo, de toute façon, c'est que la voix enregistre toujours. Oh non. Ok. Ah, oui. Que faire? H. Non! Ah bah super. K, puis H. Oui, compris. Voilà, comme ça. Hop! Tellement ridicule ce moyen de s'échapper. Allez. Nouvelle zone. Oui. Non mais c'est pas ça que je veux faire. Là, on peut profiter pour tout casser. Parce qu'on est un sauvage. Allez hop. Rien en faire. Hop. Ok, je me rappelle. Enfin, c'est pas dur à se rappeler, hein. Hop, et lui, bien évidemment, pour ouvrir facilement, il faut... Ouh, des pièces bleues. Oh, fuck. Ici, il faut tout casser, hein. C'est obligé parce qu'en fait, il faut récupérer différents minéraux pour...
pour forger quelque chose au centre. Et clac clac, barre-toi. Au revoir petit monsieur. Allez. Non, là on peut pas, ok. Ah, là on peut construire un truc peut-être. Pas encore. Mais, ah non, c'est il faut ramasser les planches. Voilà, parce que les planches sont du matériel. Voilà, je me rappelle. Hop, un peu plus d'argent, ça grimpe. Hein. Hop. Fait. Qu'est-ce que ça on peut le faire? Non, d'abord on casse tout. Oui, j'ai compris. Hop. Et un peu de nettoyage, mais... Ah, ça ici, c'est pas pour moi. Voilà, ça c'est des petits kits à collecter. Qui sont trouvables dans les niveaux, il faut en récolter 10 par niveau il me semble. Mais parfois ils sont pas collectables du premier coup, il faut les collecter plus en jeu libre. Hop, là on a des diamants. Ah, ça c'est bon. Cinquante mille pièces, 20 000 pièces rien que sur ce niveau. Oui, compris. Ok, on va s'agenouiller et ensuite on va au-dessus pour récolter les derniers matériaux. Ou alors c'est pour s'occuper de la lave. Non. K. Il faut appuyer, appuyer, appuyer. Ah oui, c'est ça, c'est pour couper la lave. Ce qui va nous donner des matériaux. Ici, de l'or. Voilà. Ensuite. Hop, on va aller forger. Un Lego. Qu'est-ce? Que nous faut-il? Ensuite, il faut... Alors, il faut également des diamants, ceci et ceci. Et là, normalement, on forge l'élément dont on a besoin. HGKU. HJKU, pardon. Bien.
Finish. Yeah. L'habileté des nains était sans égale. Ils façonnaient des objets d'une grande beauté. Incrustés de diamants, d'émeraudes, de rubis et de saphirs. Allez, laissez-moi passer. Mes piécettes! Mes piécettes! Ah, nice. On arrive sur la deuxième moitié de la mission. Hop, et là, bien évidemment, on doit... Encore une fois, tout casser. Et ça, il me faut une pioche. Tiens. Yeah. Tout ça pour ça. C'est con. C'est drôle. La première fois, c'est drôle. Là, ça me fait moins rire parce que c'est la deuxième fois que je le vis et que ouais, mais la première fois, c'est drôle. Oh, de l'or. Là au-dessus, on voit qu'il y a un truc. Ah. Non, j'y... Parce que je sais exactement ce qu'il faut faire dans cette salle. Hein. Mais je préfère d'abord aller farmer les matériaux et farmer les pièces. Vous voyez là, sur le mur, il y a des trucs à aller récolter, mais c'est ça qu'on va faire. On va aller miner. Voilà, ici non. Voilà, là on perd des pièces, on a perdu 10 000 pièces, je pense. L'eau de jeu. Allez. On va reprendre lui et on va donc... Ah oui, il reste ceci à faire. Boum! Pour finir. Voilà, je pense qu'on va pouvoir... s'occuper de construire l'élément dont on a besoin. Ici,
K. Donc là, il nous faut du cuivre, des cordes, des planches et une sorte de moteur. Et c'est bon. Ah, là, il y a un mini-jeu. Terminer la construction du Lego. Ah oui, fuck. Bah, c'est... Ah mince. C'est sur J qu'il faut. Allez. C'est dur de faire ça. C'est plus simple à la manette à mon avis, parce que là je suis au clavier. Et donc ça va être plus simple à la manette. Non, construction rapide, comme ça. Non, c'est pas ça. Oula, là, j'ai perdu beaucoup là. Bon, ça me fait quand même 7000 pièces de plus. C'est bien. On s'en sort bien. Hop. Ah, ok. L'amour de l'or était devenu chez Thor une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Alors, ça l'alarme. Qu'y a-t-il? Un dragon. Un dragon! RIP. Alors, si on appuie sur U. Là, il faut juste appuyer sur K. Et puis tirer. Bien évidemment. Comme quoi, hein. Il y en a qui ont de la chance d'avoir le bon élément. Non, il faut faire quoi alors?
Déjà nettoyer ça et ensuite aller lire. Deux personnages en duo. Ok. Qui a pour travailler? Bien. Bien évidemment. On n'a plus besoin d'être en duo, je pense. Hop. Hop. De l'argent, des pierres. Hop, et ici. Faut être encore deux, je pense. Pouf, tant pis. Allez, on se dépêche. Allez, viens, dépêche-toi. Graou. Aïe. Oui, 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 oui. Ça fait mal. Vas-y, tu fais bobo à la tête, le vilain. Là, par exemple, je suis sûr qu'avec le bon perso, on peut aller ouvrir. Non, prends ton marteau. Un. Ça va pas être celle-là. Nous n'allons pas oublier quelques pièces derrière. Ok, et d'ici, qu'est-ce que ça nous donne ? Pièce. Et ici, il va pouvoir taper la... Ok, il aurait fallu du temps. Hein. Hop, et ici tu fais ouvrir la porte. Et c'est parti.
On est presque à 110 000 pièces. Ouh. Une, deux. Et tombé. J. Non, J. C'est bon, on a droit à un pont. Non, 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 non. Oh, mais arrête de tout casser, vilain dragon. Tu es un pas très gentil méchant. Hein. Là, je sais. Pourquoi ? Mais... H. Il en fait U. On fait J. Et on fait U. Parce qu'il y a encore un personnage à aller chercher. Là on fait H. Là on fait J. Là on fait H. Là on fait U. Là on fait J. Là on fait J. Et là on fait J. Là on saute et on attrape. Et on sauve le roi. Et on se dépêche. Ouais, bon, j'en ai oublié tout plein. Chaud. Allez vite, on peut sauver, on peut se sauver. Et on va peut-être pouvoir atteindre. Je sais pas si on atteindra le maximum de pièces. Non, on dirait pas. Voilà. Et là on peut recommencer le niveau en libre avec n'importe quel perso. ...94, on est bien. Eh ben nous on va se laisser ici pour cet épisode, ce premier jour du calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours faire un petit tour sur le Utip, le lien est en description, il suffit de regarder quelques pubs, et ça ne vous coûte rien, ça me fait très plaisir. Sur ce, on se laisse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.